J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un petit unboxing. Comme vous le savez sûrement déjà, j'ai un partenariat avec la maison d'édition de Noël. Et donc cette fois-ci, je me suis dit pourquoi pas ouvrir le paquet avec vous. Je sais déjà les livres qu'il y a dedans, mais du coup voilà, je voulais vous les faire découvrir aussi. Puis voilà, ça ferait un petit truc super sympa. Donc voilà, on reçoit les livres dans ce genre d'enveloppe carton là. Super bien emballé, pour ça il n'y a pas de problème. Et donc ce mois-ci, j'ai choisi donc 2 livres. On peut en choisir entre 1 et 3 livres maximum. Je ne suis jamais allée jusqu'à 3 parce que déjà je me dis qu'il faut que je lise les autres que j'ai. Alors du coup, bah voilà. Ils nous mettent toujours un petit post-it comme ça avec écrit bonne lecture, voilà. Donc j'aime bien le petit post-it qu'ils nous mettent comme ça. Je sais pas pourquoi ça me fait, ça me rend heureuse. Et donc j'ai choisi 2 petits livres, dont un que j'avais aimé, un autre qu'on avait eu, c'était à Manu. Et c'était mon coup de cœur de l'année 2014, donc je sais pas si celui-là ça va le devenir, mais en tout cas j'adore la couverture. Donc je vais commencer par le tout premier. Donc le premier que j'ai choisi, c'est Cahier d'activité pour se débarrasser définitivement de son ex, de Rebecca Beltrin, je crois. Et l'illustration est d'Adria Frutos. Pas marqué, et il coûte donc 12 €. Donc en fait c'est un petit cahier d'activité où vous pouvez en gros vous déchaîner sur votre ex. C'est pas que j'en ai besoin, mais je voulais savoir, voilà, je voulais savoir ce que c'était. C'était plus de la curiosité. Et donc ce que j'ai bien aimé, c'est le début. Voilà, donc vous avez ce livre appartient à. Juste après, on a inscrit le nom de ton ex et tourne la page. Et voilà. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui fait que bah, vous pouvez vous amuser quoi. Voilà, c'est un peu comme voilà, vous avez évade-toi. C'est comment ça s'appelle le livre que vous pouvez gribouiller, enfin c'est un peu dans ce style là. Donc derrière il y a écrit un cahier avec une centaine d'activités pour exorciser ses démons et oublier son ex. 2, écrit, colle, dessine et colorie, mais surtout relativise et amuse-toi. Et 3, à la fin tu comprendras que mieux vaut avoir un cœur libre qu'un cœur mal fréquenté, vite tourne la page. Donc voilà, j'ai trouvé que ce petit cahier était assez sympa et du coup voilà, je voulais à tout prix savoir ce que c'était. Et le deuxième que j'ai choisi, donc cette fois-ci, c'est un roman et c'est de l'auteur Paola Barbato et c'est Le Fil Rouge. J'avais énormément aimé à Manu du même auteur et j'espère retrouver la même, les mêmes émotions que j'ai pu avoir avec son autre livre. Son autre livre, voilà, ça m'avait procuré, il y avait de l'angoisse, de la peur, de la tristesse, je crois que j'ai même failli pleurer en le lisant. Donc dès que j'ai vu qu'il y avait un autre livre, livre de cet auteur, j'ai de suite sauté sur l'occasion. Donc en gros, c'est que fait un homme quand il se retrouve face à l'assassinat de son enfant. Antonio Lavez y mène une existence solitaire et monotone depuis le jour où Michaela, sa fille de 13 ans, a été sauvagement assassinée. Sa femme l'a quitté et le meurtrier n'a jamais été arrêté. Antonio travaille dans le bâtiment avec un ami d'enfance. Ce dernier lui présente inlassablement de petites amies potentielles qui ne l'intéressent pas. Lorsqu'un corps est découvert sur le chantier dont il est responsable, des éléments troublants amènent Antonio à penser que cette affaire et son histoire personnelle sont liées. Contacté par un homme mystérieux baptisé l'assassin qui lui ordonne d'exécuter des criminels ayant échappé à la justice, Antonio décide d'obéir et va s'extraire peu à peu de sa torpeur et de son silence. L'assassin semble savoir qui a tué Michaela et Antonio, pris dans une spirale meurtrière, est plus que déterminé à venger sa fille. Je trouve que voilà, cet auteur
Je trouve qu'elle est dans l'optique où c'est très psychologique. Voilà, c'est en gros, on va vous manipuler quelqu'un pour arriver à des fins. Et je trouve ça, voilà, elle arrive vraiment à vous faire plonger dans le livre et vous n'arrivez plus à en ressortir. Donc voilà, j'espère que ce style de vidéo vous plaira. Si oui, ben dites-moi-le comme ça la prochaine fois. Le mois prochain plutôt, que je recevrai en fait les autres romans, je vous referai ce petit unboxing pour vous faire découvrir ma sélection aux éditions de Noël. Je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!